La nouvelle édition du Festival Jazz Campus en Clunisois va animer la Bourgogne du Sud du 19 au 26 août. Pour tout savoir sur cette 40e édition marquée par la découverte et le partage, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Didier Levallet. Bonjour Didier. Bonjour. Alors Didier, vous avez créé le Festival Jazz Campus en Clunisois en 1977, avec d'ailleurs très peu de moyens. Qu'est-ce qui, selon vous, explique sa longévité ? Le festival, il s'appuie sur, dans un premier temps, et en 77, ça n'était que ça, sur une transmission, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la pédagogie, des ateliers, de pratiques collectives, et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a permis d'installer la manifestation. En effet, en 77, il y avait zéro franc. À l'époque, c'était des francs, mais même quand c'était des francs, il n'y avait pas d'argent. Puis petit à petit, comme on a un peu fait les preuves de l'intérêt de la chose, alors... C'est vrai que ça commence à être un des festivals les plus anciens en France, alors que il y en a eu qui ont poussé comme des champignons un peu partout depuis quelque temps. Je sais pas, c'est sans doute une image qui est bien repérée, c'est-à-dire que les gens savent ce qu'ils viennent chercher là. Et ces dernières années, j'ai identifié un public, outre un public spécialisé qui existe, qui fait partie de nos stagiaires d'ailleurs, par exemple, ou qui vient d'un peu plus loin parce que la programmation les intéresse et qu'ils connaissent les musiciens. Sur le public local, les gens savent où on les emmène, même s'ils ne connaissent pas les musiciens particulièrement. Mais ils savent qu'on les trompera pas sur la marchandise. Donc que c'est un festival de création, de la musique d'aujourd'hui, qui n'est quand même pas le plus déchiré et chevelé qu'on puisse imaginer, mais néanmoins qui soutient des artistes qui sont en processus de création, essentiellement des musiciens français. On a eu pas mal d'Européens à une époque, et y compris des musiciens américains, bien sûr, et qui, à la fois, suit des artistes sur le long terme, en les faisant revenir 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, avec un nouveau projet, etc. Et en même temps, qui peut valoriser les jeunes pousses d'aujourd'hui, qui sont nombreuses et talentueuses. Didier Levallet, le festival Jazz Campus en Clunisois, s'attache à montrer tous les visages du jazz. Alors, c'est un style qui est parfois considéré comme élitiste. Quelle est votre recette, justement, pour faire en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre ? Ah ben, il y a des recettes qui sont des recettes que tous les gens qui travaillent dans le domaine de la démocratisation culturelle connaissent, c'est-à-dire les tarifs les moins élevés possibles, quelques manifestations gratuites. De toute façon, est-ce qu'un public... Alors, je donne un exemple. On a tous les ans, le vendredi, en fin de semaine, un concert pique-nique au Hara, à l'intérieur de Hara, sur le grand tilleul qu'il y a dans la cour des Hara de Cluny. C'est un concert gratuit. Les gens amènent leur pique-nique, on leur offre la musique et on voit arriver notamment un public familial qui ne pousserait pas à la porte du théâtre, qui n'achèterait pas sa place, et qui vient en disant « bon, c'est bien, c'est gratuit, on va voir, si ça nous plaît pas, c'est pas grave, on peut toujours s'en aller ou s'éloigner », puis les gens restent. Donc ça, ça fait partie des choses, ce qu'on appelle, la démocratisation culturelle, c'est le développement culturel, c'est aller chercher les gens là où ils sont, ou leur permettre de venir sans prendre de risque de dire « ah oui, je sais pas si je vais aimer », ou des gens qui sont pas habitués tout simplement à se sentir enfermés dans un théâtre pour subir quelque chose pendant une heure et demie, sans savoir s'ils le connaissent ou s'ils le connaissent pas. Après, il y a cette espèce de ce que j'essaie de maintenir, qui est une honnêteté dans la programmation, je veux dire honnêteté artistique, qui est donc de faire découvrir, mais sans provocation, c'est-à-dire sur des choses qui sont capables, où les musiciens ont suffisamment de générosité pour s'adresser au public et non pas seulement construire le truc dans leur tête et puis pas le s'occuper du reste. Il faut quand même qu'il y ait un partage. Thank you.
Vous parliez de création tout à l'heure. Quelles sont les choses les plus originales que vous avez accueillies en 40 ans? Quelques exemples. Alors, je parle de processus de création, c'est-à-dire que contrairement à pas mal de mes collègues, pour des raisons à la fois financières, mais aussi éthiques, si je puis dire, je ne commande pas de création pour le festival. Par contre, j'essaye d'accompagner des gens qui sont en création quand ils peuvent poursuivre cette création sur la durée. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire création mondiale, etc. Si c'est pour le jouer une fois, c'est pas très intéressant. Donc, faut au contraire aider les musiciens à développer leur création, à la jouer plusieurs fois. Donc moi, j'accueille des créations en cours, mais pas forcément des créations qui ont eu lieu chez moi, la première. Hein. Je me souviens d'un groupe qui s'appelait Quest, qui était des musiciens américains, avec le saxophoniste Dave Liebman et le pianiste Richard Baya, qui était d'ailleurs venu en dépannage d'un autre orchestre qui avait déclaré forfait, qui avait fait un magnifique concert. Je me souviens de plein de choses, bien sûr. J'ai accueilli il y a 2 ans, justement dans cette aide à faire tourner les créations, un ensemble de 10 musiciens qui avaient repris, ce qui était quelque chose, tout le monde leur disait qu'ils étaient fous, qui avaient repris le fameux opéra jazz de Carl Abley, Escalator Over the Hill, qui est quelque chose qui avait été enregistré entre 68 et 70 et qui avait été quasiment jamais monté sur scène, puisque c'était une œuvre de studio, en fait, avec des gens d'un peu partout qui étaient intervenus. Donc ils en ont fait une synthèse. Tout le monde leur avait dit que c'était casse-gueule. Alors finalement, ils ont réussi leur coup. Et j'avais d'ailleurs assisté à une représentation devant la compositrice au Festival de Nevers, qui jouait en deuxième partie et qui avait été très touchée. Toujours un peu, quand on joue l'œuvre de quelqu'un devant lui, on se demande un peu, qui a été très touchée par cet effort de reprise de cette œuvre qui est une œuvre mythique. Didier, on parlait tout à l'heure d'échanges. Hein. Alors, dans certains milieux, c'est très cloisonné entre professionnels et amateurs. On ne veut surtout pas se mélanger. Alors vous, votre démarche a été totalement inverse, c'est-à-dire que vous avez cherché à mélanger justement professionnels et amateurs pendant ce festival. Pas vraiment en termes de diffusion, encore que le samedi de clôture de la semaine du stage, des ateliers, etc., les amateurs, enfin dans les stagiaires, montrent le travail de la semaine, donc c'est diffusé. Là où il y a le mélange, c'est qu'il y a des passerelles entre ce stage, dont je précise, j'insiste toujours, que j'ai toujours voulu qu'il soit dirigé, que chaque atelier soit dirigé par des musiciens qui ont une vraie existence scénique, qui ne sont pas des profs, ce sont des musiciens qui acceptent de partager leur expérience. Et d'ailleurs, c'est pas des classes d'instruments, c'est des classes de faire de la musique ensemble, des classes d'orchestre si on veut, selon différentes approches. Et donc, ces gens qui sont venus, et la liste serait très longue, sont tous des gens qui ont compté, y compris des Européens, par exemple, qui ont compté dans la scène vivante de cette musique pendant toutes ces années. C'est très important parce que, entre-temps, alors qu'en 77, il n'y avait pas de classe de jazz dans les conservatoires, donc on répondait à un besoin, il y avait un manque quelque part. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, il y a des profs de jazz qui n'existent pas sur la scène vivante. Donc moi, je vais chercher des gens qui sont de vrais artistes et pas que des profs. Évidemment, comme je fais venir ces gens qui ont une vraie valeur artistique, au bout de 3 ans, je change les équipes. Mais pendant ces 3 années où ils viennent, je les invite à se produire sur scène avec un de leurs projets, de façon à ce que les stagiaires, leurs élèves, si je puis dire, puissent voir en réalité à qui ils ont affaire. Vous avez des stagiaires qui sont devenus professionnels depuis? Ah oui, on peut 20 ans... qu'elle avait 12-13 ans, qui s'appelle R.L. Besson, qui a été victoire du jazz il y a 2 ans, qui a eu toutes les récompenses, toutes les médailles en or et en chocolat qu'on puisse imaginer, qui est trompettiste, que son papa a mené, qui est venu 2 ans, qui a appris à improviser la première fois et qui est vraiment une des figures importantes. D'ailleurs, elle a fait partie de mon quintet qui a joué ici il y a 2 ans, quand je l'ai créé. Mais bon, à part ça, elle a joué avec tout le monde. Et je dirais pas que c'est une star, parce que dans sa tête, elle est pas construite comme ça. Mais c'est quelqu'un qui est très important. Actuellement, tiens, dans l'Orchestre National de Jazz, la pianiste Sophie Agnel a fait le stage de Cluny il y a longtemps aussi. La saxophoniste Alexandra Grimal a fait le stage de Cluny aussi. On a des gens qui sont des amateurs, qui resteront des amateurs. C'est ce qui s'appelle accompagner la pratique amateur, pour les aider à s'améliorer, à rentrer en contact avec des grands professionnels, etc. Et puis on a des jeunes qui font la carrière de musicien professionnel après. Les stages sont complets cette année? Quasiment, parce que il y a des ateliers où on peut admettre d'aller, c'est arrivé certaines années,
jusqu'à une vingtaine de personnes. Mais dans d'autres cas, selon la direction prise par le travail, quand on est au-delà de 12, ça devient un peu pesant parce que chacun n'a pas eu le temps de s'exprimer autant qu'il le fallait. Donc on a des ateliers à 12, 15, voire plus. Donc on a 6 ateliers, on est 85 stagiaires. Outre ces stages, évidemment, il y a chaque année des concerts. Avez-vous un fil directeur par année ou est-ce que vous aimez aller, au contraire, butiner un petit peu partout et dans tous les styles ? Tous les styles, c'est beaucoup dire, parce que on ne fait pas dans le jazz, dans le vieux jazz, entre guillemets, dans le jazz traditionnel. On fait dans la création d'aujourd'hui. Après, c'est un terrain extrêmement vaste. Ça peut aller parfois flirter avec l'électronique dans certains cas. Ça peut au contraire être complètement acoustique dans un autre. En plus, création contemporaine, ça veut dire beaucoup de choses, mais en plus ça fait peur. Ça. C'est un mot qui fait peur. Hein, bon. Mais je vois par exemple, on accueille au Farinier de l'abbaye de Cluny le quatuor Machaud, qui est un quatuor de saxophone de la région d'Orléans, qui a relu et recréé avec de l'improvisation autour la messe de Notre-Dame de Guillaume Machaud, qui est du XIVe siècle. Donc c'est une façon extrêmement moderne de faire vivre quelque chose qui est éternel aussi. Donc après, non, ce qui me guide, moi, c'est bien sûr un équilibre dans la programmation d'une soirée à l'autre. Il y a des soirées plus pointues, d'autres qui le sont moins, qui sont plus populaires dans leur essence, si je puis dire. Mais c'est surtout de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui est complémentaire par rapport à des choses que j'ai envie de faire depuis longtemps, puis voilà, ça y est, je l'ai fait. Il n'y a pas de thématique comme, par exemple, l'année du piano, l'année du saxophone ou je ne sais pas quoi. C'est plus un état des lieux de ce qui se fait de créatif avec le petit plus qui fait la différence à chaque fois chez l'un, chez l'autre. Chacun a sa démarche. Les gens qui ne connaissent pas ces musiques-là ont l'impression que c'est un bloc, mais c'est pas du tout un bloc. Ces musiques s'est toujours nourrie et qui a toujours nourri toutes les musiques populaires autour d'elle. Ça tient au chant, ça tient... Tiens, alors il y a une soirée ciné-concert avec des films d'animation et des musiciens qui improvisent en même temps qu'ils accompagnent l'image. Il y a une présentation d'un duo flûte et percussion avec un danseur. Enfin, donc voilà, ce sont des choses qui justement, où cette musique est en déperche à beaucoup de choses et à beaucoup de gens. Vous laissez une place à des artistes locaux ? Ah ben, c'est le cas de celui-là, justement, la flûtiste Marie Brown, qui est quelqu'un que j'ai eu comme stagiaire. Que nous avons eu, pas moi, mais qu'il y a aussi un groupe qui s'appelle Matterhorn,
qui est dirigé par un trompettiste qui s'appelle Timothée Coste, qui est originaire de Châlons, je crois, avec le batteur dont les parents sont clunisois. Clunisien, c'est plus ancien. Il y a deux anciens stagiaires de Cluny qui sont en train de devenir le batteur, l'autre, je ne sais pas, mais le batteur qui a été stagiaire chez nous, qui est le fils de stagiaires qui viennent tous les ans chez nous. Il est élève au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Ça veut dire qu'il est déjà dans la filière professionnelle sans problème, quoi. Donc on essaie de garder le lien avec notre histoire, avec ce qui se passe, avec les jeunes générations, avec les gens qu'on a, comme le violoniste Dominique Pifarelli, et quelqu'un que j'ai connu comme stagiaire en 1978, et que j'ai fait jouer dans mes groupes avec des cordes quelques années plus tard, peu de temps après d'ailleurs, donc à qui j'ai une vieille amitié qui dure depuis ce temps-là, et qui est quelqu'un qui enregistre, pour le label ECM en Allemagne, quelqu'un qui fait une musique extrêmement rigoureuse, exigeante, mais qui a une aura internationale, quoi. Et voilà, il est passé par là, on s'est rencontrés là. On rappellera évidemment, Didier, toutes les dates du Festival Jazz Campus en Clunisois dans notre agenda local. Quelques autres dates qu'il ne faudrait pas manquer, on en a déjà eu quelques-unes là, mais... Non, j'ai évoqué le ciné-concert. En plus, c'est le soir de démarrage, c'est le samedi 19 août. C'est à ma tour et c'est gratuit. Et c'est avec des musiciens du collectif lyonnais Arfi, dont certains habitent la région d'ailleurs aussi, puisque le saxophoniste habite un village dans le Clunisois. Je voudrais mettre l'accent juste sur deux programmes. Un qui est alors le dimanche 20 août, le lendemain, à Dompierre-les-Ormes, au Lab 71, qui était autrefois la Galerie européenne de la Forêt du Bois, dans le petit auditorium qui a une magnifique acoustique. Et c'est un duo piano-saxophone autour des musiques de Louis Moreau Gottschalk, qui est un personnage de roman, qui était peut-être le premier compositeur de nationalité américaine de l'histoire. C'est un homme du 19e siècle qui a aussi été à la recherche des musiques traditionnelles et ethniques, si je puis dire, des Caraïbes, d'Amérique latine, de l'Amérique profonde. Magnifique petite musique, servie par deux excellents musiciens, Lionel Martin et Mario Sanchez, qui viennent de la région lyonnaise d'ailleurs. Pour aussi alors faire un lien avec les musiques du monde, c'est une rencontre entre un grand joueur de kora sénégalais, qui s'appelle Ablaye Sissoko, et avec trois musiciens de jazz, donc certains sont des fidèles en tant qu'animateurs de stage d'ailleurs de notre festival, qui sont Simon Goubert à la batterie, Sophia Davansich au piano et Jean-Philippe Viré à la contrebasse. C'est une rencontre, alors ça s'appelle African Jazz Roots, c'est les racines africaines du jazz, et c'est une rencontre, la plupart des thèmes sont écrits par Simon Goubert d'ailleurs, mais une rencontre entre un authentique musicien, un griot sénégalais, et des musiciens de jazz, qui fait la part belle aux racines profondes de cette musique au niveau africain. Et puis bon, pour conclure, c'est le cas. Il y a bien sûr notre soirée anniversaire dans l'abbaye, où on renoue avec les grands concerts-promenades, avec des stations où on découvre un ou deux musiciens dans des lieux, des vestiges de l'abbaye. Donc ce parcours qui a laissé un très bon souvenir aux Clunisois depuis pas mal d'années, à l'époque où on faisait ça. Et puis ça se terminera sur une soirée avec des musiques très festives, avec l'ensemble Musique à Brasse, et l'ensemble Peuple Étincelle qui nous vient de la région de Bordeaux et qui joue des musiques à danser traditionnelles de la région. Voilà, on va se quitter en musique avec eux. Merci beaucoup Didier Levallet pour le festival Jazz Campus en Clunisois qui va animer la Bourgogne du Sud du 19 au 26 août. On peut retrouver toutes les informations sur le site internet jazzcampus.fr. Merci. Merci à vous.